Notre concept est novateur. Nous réalisons des missions de cadre à temps partagé dans les petites et moyennes entreprises. Concrètement, cela veut dire que nous intervenons sur des missions de 6 à 12 mois, à raison d'une demi-journée, une journée ou plus hebdomadairement, en fonction des besoins de l'entreprise. Nous travaillons avec l'entreprise avec des contrats de prestation de services, ce qui est très souple pour elle, et nos missions sont totalement opérationnelles. Nous réalisons ces missions pour les métiers de direction commerciale, de DRH, de direction financière et de direction générale. Cela permet à des petites et moyennes entreprises d'intégrer des cadres alors qu'elles ont besoin de cadres, mais pas à temps plein. Et souvent, elles n'ont pas les moyens de financer des cadres à temps plein. Cette solution qui est novatrice vraiment va permettre que l'entreprise fonctionne mieux au quotidien et se développe plus vite. Après la sortie de confinement, les entreprises ont toujours besoin de cadres. Mais pour intégrer des cadres, elles ont besoin de solutions contractuelles les plus simples possibles. Nous sommes convaincus que le temps partagé est la solution contractuelle la plus souple pour que les entreprises intègrent des cadres, parce que nos missions peuvent s'adapter dans leur durée, elles peuvent s'adapter dans le temps d'intervention hebdomadaire dans l'entreprise et aussi dans le contenu des missions. Donc c'est une vraie solution aujourd'hui pour les entreprises. Nous nous sommes adaptés bien sûr à la crise du Covid-19 sur deux aspects. Le premier point, auparavant, l'ensemble de nos missions se déroulait en présentiel dans l'entreprise. Dorénavant, toute entreprise, une partie du temps de travail est faite en télétravail. Et puis, deuxième adaptation, dans le cadre de la prospection que font tous nos franchisés pour vendre leur mission de cadre, nous avons mis en place beaucoup d'outils digitaux pour faciliter ces démarches de prospection. Nos ambitions sont fortes car nous sommes convaincus que nous sommes sur un marché porteur. Premier point, nous observons que les temps moyens de mission de nos franchisés sont supérieurs après le déconfinement par rapport au début d'année. Donc, nous observons que les entreprises utilisent de plus en plus cette solution de temps partagé pour intégrer des cadres. Deuxième point qui nous rend ambitieux, nous avons de plus en plus de candidats cadres pour intégrer le réseau depuis le mois de juin. Notre croissance de réseau s'accélère beaucoup et donc c'est un point important pour nous. Et puis, troisième et dernier point, au-delà des quatre premières offres que nous proposons aux entreprises, nous développons à partir du mois de septembre deux nouvelles offres. Tout d'abord, avec un premier réseau de directeurs marketing digital qui va apporter une solution de communication et de commercialisation sur les réseaux sociaux importantes. Et puis, enfin, nous allons développer une offre de développement et de management de réseaux de franchise dès le mois d'octobre. Un franchisé idéal pour nous est un cadre qui a une expérience forte dans son métier. Qu'il soit directeur commercial, DRH, directeur financier, directeur marketing digital, nous avons besoin que nos cadres aient vraiment un niveau d'expertise fort. Deuxième point, nous avons besoin que les futurs franchisés aient un vrai projet pour devenir indépendants et que ce soit un vrai choix de métier. Donc, je dirais un vrai choix pour exercer leur expertise, leur métier, mais différemment. Enfin, nous avons besoin aussi que ces candidats, futurs franchisés, aient vraiment envie de rejoindre un réseau qui est en pleine croissance, qui est en plein développement pour participer à cette aventure que vit la marque Bras Droit des Dirigeants.